Allez, salut tout le monde, ici Alda, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre zone litigieuse en compagnie toujours de Lothar et Gollum. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de Vielle Voilà. République. Donc, on avait commencé les Célestes, on avait libéré le vaisseau, maintenant on part à l'assaut du vaisseau ennemi pour lui défoncer sa gueule. Avec un ascenseur en attendez mini-watch. Un peu, ne partez Ah. pas. J'ai quelque chose à vous dire. Lui, c'est le capitaine du vaisseau. Sarah et vous avez fait dans la salle des machines. Comment avez-vous pu tuer tous ces gens? Eh, moi, je n'étais pas d'accord, moi. Parfois, des gens bien meurent. La galaxie est un endroit dangereux. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense. Ouais. J'ai travaillé avec Salen pendant 10 ans, vous comprenez? On dirait qu'Assara et vous êtes prêts à tous les sacrifices. Mais si vous voulez mon avis, un seul sacrifice permettra à ce vaisseau de s'en sortir. C'est, vous parlez d'Assara, c'est ça? Vous voulez que je livre l'ambassadeur aux impériaux? C'est bien ça. Ouais. Dans notre intérêt à tous, je veux que vous abandonniez Assara sur le vaisseau du Grand Moff. Une fois le rayon tracteur coupé, on pourra fuir. Mais Kilran continuera à nous poursuivre, à moins qu'il ne se soit déjà emparé de sa cible. Assara est à l'origine de tout ça. Si vous voulez vraiment faire ce qu'il faut pour sauver ce vaisseau, vous ferez en sorte qu'elle ne revienne pas avec vous. Je vais y réfléchir. Vous avez peut-être raison, Akel. Je sais que j'ai raison. Et vous serez dûment récompensé si vous vous rangez de mon côté. Enfin, vous feriez mieux d'y aller. Je vous ai déjà retenu trop longtemps. Ne parle pas au prêtre. Hop. Bon, hop, en monologue, t'es dans l'ascenseur. Raté. Ya. Allez, grouille ton cul. T'es où? Bah dans l'ascenseur. Moi je suis déjà parti. Allez, grouille ton cul. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Oh, il avait... Ah, l'assaut du vaisseau ennemi. Pourquoi je peux pas entrer? Mais où est mon astronoïde? S'il vous plaît, j'aimerais entrer dans le vaisseau. C'est ça que je veux. Allez. Voilà. Ah, faut cliquer en haut de la porte, c'est vrai, j'avais zappé ce détail. Ouais, pas évident. Hein. Voilà, grâce à un fondu au noir, on est sur le vaisseau ennemi. Oui, ça a l'air d'être pareil. Hop, messieurs, dames. Des méchants, tirez! Oh, il s'est fait défoncer la gueule. Bon. Oui, bon, on a tous des gros bazars, alors... Non, alors, faut bien comprendre quand même qu'on a 3 niveaux de plus que... En armure légère. Ah, je prends. Ouais, enfin, lui, il est balèze, quand même. Donc, hop, tu prends ça... Je te gèle, voilà... Je te fais ça... Je te fais ça... Il y a tout le monde qui me tire dessus, c'est la fête. Voilà... Et paf! Ça fait des chocs à pic? Quoi? Et paf, ça fait des chocs à pic. Ah, monsieur fait du culture pub, c'est ça? Bah, tu connais pas? Bah, j'avouerai que je ne regarde point souvent la télé. Voilà, je vais dire à Chronos, tais-toi, parce qu'il me parle. Enfin, il me parle à moi, tu vois. Ah, j'ai entendu Chronos sa gueule, moi. Ouais, c'est vrai. Attends, il y a un truc derrière. Voilà. Ah oui, mais ça marche aussi, oui. Et ça marche mieux, même. Enfin, sans voir contrarié. Non, mais je suis vraiment contrarié, là. Je suis très offusqué de tes propos. Ah, il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière, ou ça? Non, il y a ça. Voilà. C'est le dessert. Grenade. Planquons-nous. Aveuglement. Bim. Gros tir. Bim. Gel. Piu piu piu. Coup de crosse. Il est gelé, profites-en. Je viens de découvrir une compétence que j'avais oublié. Ah. J'en sais rien. Bonjour. Bonjour madame. Eh, c'est elle qui recherche. Bonjour madame. Ah bon, tu crois? Pourquoi j'avance plus tout d'un coup? J'ai plus de sprint, quoi. T'as ton sprint, toi, d'activer? Bah... Oui, c'est bon. Non, je sais pas. Ah oui, moi aussi, j'ai activé, je le vois. Je voyais plus. Un petit buff, peut-être? Petit buff? Si tu veux. Le porte s'ouvre toute seule.
devant pour nous, ils sont gentils. Gagne, attends, il y a un truc. Voilà. Non, mais en fait, toi aussi, Petty Buff, si ça ne te dérange point. Quoi ? Encore ? Oui, tu l'avais pas fait. Enfin, tu l'avais pas refait. Je remarque que ça s'épuise. Mais moi, je l'ai encore. Non, mais ça s'épuise au bout d'une heure, je ferai remarquer. Oui, mais c'est pas une heure. J'en ai pas besoin, a priori, toi t'en as plus besoin que moi. Non, mais je n'ai pas gagné de plus. Oh, bah, j'ai gagné de l'heure, c'est bon. Oh, non, de plus. Oh, je me casse ! Putain, j'avais été ciblé par un truc. Ah merde, je crois qu'on a aggro plein de gens. Attends, j'ai payé aggro les gros qui sont derrière. Ceux-là. On se fait les petits d'abord. Ça éviterait qu'ils nous fassent des petits dégâts à la con. Ah vas-y, je te laisse les petits, je m'occupe plus de eux. Tiens, coup de pied dans les couilles. Elle. Je viens de donner un coup de pied dans les couilles à un droïde. Parfaitement logique. Tiens, enfin, moi je lui donne des coups de crâne dans la tête. Des crédits, des crédits. Y'a pas de quoi ? D'accord, messieurs, dames. Attends, il y a un élément histoire là. Mmh. Ouais, en train d'étonner. Tu as assez de 15%. Où ça ? Et bon, Waterfall. Ah ouais, là ! Oui. Moi, je connaissais pas celui-là. Oh, en plus, ça donne 550 d'XP, c'est pas mal. Ah, moi, je suis là. Ouais. Ah, si tu te traînais le cul tout à l'heure, c'est parce que t'avais. T'étais en combat. Et quand on est en combat, on se traîne le cul. Ah, y'a un truc là-bas. En effet. Voilà. Bon, attends, je me fais une petite régénération parce que. Attends, je vais tout prendre dans la gueule, moi j'ai plus de vie. Voilà. Hop, par où, petit, il y a des gens partout. Messieurs, dames. Enfin, mesdames plutôt. Si on veut trôner. Hop. Car bon. Le ménage est vite fait quand même. Les mecs quand même ils arrivent devant un panneau comme ça, piratage, genre on a dit ce que je fais. Eh t'as vu, je pirate à l'envers, moi je suis un fou. Eh bien, j'ai vu des choses incroyables dans ma vie, mais c'est vous qui reportez la part. Ouais, on est trop balèze. Si seulement vous m'aviez dit que vous passeriez. On vous dérange ? Si on tombe mal, on peut repasser. Oh non, pas du tout. Je vous assure, je m'attendais à votre visite. Les hommes ne vont pas tarder à arriver pour vous escorter dans les appartements que je vous ai réservés. Oh là là, trop de politesse. Peu importe. J'aimerais rester, mais je dois y aller. Non, non, vous n'allez nulle part. Point d'acier n'était pas ma seule arme, ni la plus meurtrière. On se reverra bientôt. C'est ta sœur qu'on verra bientôt. Chut. C'est pas où qu'il faut aller. Et ta fille. C'est censé être toi qui est devant moi en fait. Bah c'est toi qui est en premier. T'assumes hein. C'est qui le patron? Là-bas il y a un petit machin à faire exploser. Oui, oui, j'ai vu. C'est qui le patron? Donc il n'y a plus d'arresté, il grimpe sur les trucs pour tirer sur tout le monde. Coup de crosse! Allez, crève. Donc, j'ai plus de vie, j'ai plus de cellules énergétiques. Ah, est-ce que j'en ai dans mon inventaire? Ah non, je les ai vendus moi, mais. Oh! J'ai un boost d'XP, bah je vais l'activer, écoute. Je l'avais oublié. Non, vas-y, active. Attends, laisse-moi. Ni que le petit, bon, je crois pas, il a pas fait plus que le petit là-bas. C'est bon. Il a atteint niveau 14. Qui c'est ça qui a atteint niveau 14 ? Moi. Ah, GG ! Ah, t'as un petit peu d'avance sur moi. Ah ouais, tiens. Tiens, c'est bizarre, vraiment, toi, t'as d'avance. Non, 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 c'est toi, t'en avais récupéré parce que je. Tu sais, c'est oui. quand j'avais ma coupe pourrie. Oui, bah. Il est tellement en train de tanker avec des grosses armes. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Oui, oui. Je peux bouger. Je vais arrêter de passer devant moi, hein. Oh, non, mais oh. Restez disparu. Oh, ça, c'est ma grenade qui a pété, je pense. Non, c'est la mienne. Bah, j'en avais lancé une aussi. Ah, bah, les deux en même temps, peut-être. Grenade! Je te gèle!
Je lance une grenade. Enfin, un gros tir. Moi, je vais lui foutre un petit coup de pied dans les couilles à ton droïde. C'est bon, j'ai fait une crosse. Eh, y'a des méchants là. Ah, c'est pour ça que j'ai mal. Ils tirent tous dessus. Je me dis, mais pourquoi je prends autant de dégâts? Parce que c'est ton boulot de tanker. Merde, ouais, c'est pas rechargé. Ah putain. Ça va, t'agresses. Tu agresses deux élites au KLM. Ouais. Bah, on a un niveau largement supérieur au leur, donc bon. Je veux dire rare élite et légendaire pour le hors argent. C'est pas mal. Ok, j'en fais une cellule. Dion. Voilà. Alors, par contre, pour le coup, un petit coup de soin ne serait pas de refus. Il est juste en train de tuer tout le monde à 4 dans le vaisseau, mais tout va mal. Bah, écoute. Monsieur dame. Dans le Seigneur des Anneaux, il tue tous les gobelins alors qu'ils sont neufs dans la Moria. Tu tous les gobelins où? Bah dans la Moria. Non, tu pas tous les gobelins. Si, si, tu tous les gobelins. Non, 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 les gobelins ils s'enfuient parce qu'il y a le gros qui arrive, sinon ils allaient se faire... Ouais, mais quand ils sont dans la tombe. Ouais, enfin, ils sont pas énormes, énormes les gobelins. Enfin, ils sont quand même plus que ce qu'on affronte là. Hein. Non. Et puis ils ont un troll. Mais ça c'est moins rigolo ça. Ah, casse les couilles et voir que des armures lourdes. Mais Dieu, il a ouvert la porte. Mais impossible de voir la cible. Hey ouais, moi aussi. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ça y est, il réagit. À un moment il s'est dit oh ça va. Mais que c'est mis en mode invisible tout ça. C'est ça. Bon alors attends avant d'aller un peu plus loin. Non ça. Attends, n'y va pas. Soigne-toi. Reste ferme pas trop. Maintenant tu peux cliquer sur le truc qui est derrière. Alors voilà. Un petit coup de mortier, c'était bien. Ouh, druide de combat gardien, il a pas l'air rigolo aussi. On le fait en dernière. Oui, de toute façon j'ai plus de vie. Question du pont. Alors, petite grenade. Voilà, pour le Les petits d'abord, c'est vrai. Là, fais-toi les petits, Le petit. Oh. J'adore faire ça. Ok, les suivants. Il n'y a pas des trucs ici, genre. Et si il y a des trucs activés en plus. Ça va exploser! Non! Ça explose vraiment ou c'est juste un bip-bip-bip? Ah non, c'est juste un bip-bip-bip. Ah ouais. Là, pareil, laisse-moi engager. Voilà. Histoire par un gros tir de mortier dans ça. Voilà, je le finis au coup de pied dans les couilles. Interruption! Coup de crosse! Pardon. À tes souhaits. Merci. Ouais, moi je suis comme ça, j'en ai rien à carrer. Alerte enlèvement. Le respect disparaît. Tellement! Bon, on va niquer le droïde Super Saiyan 5 là. Feu! Yes, c'est 7. Putain, c'est un Super Saiyan 7 même. Tiens, gel. Bon, bah, il gèle pas. Tiens, prends-toi un coup de crosse. On va tirer de mortier, ça fait toujours mal. Il tape sur qui? Parce qu'il tape pas sur moi. Je sais pas. Ah, il tape sur mon pote. Il tape pas sur toi. Il tape sur mon larbin. Ah, bon, on l'a fini? Oh putain, je prends! Ah, c'est pas pour moi. Ah, pour une fois! Ah, mais toi, t'as que les objets bien en fait. J'ai que des petits objets à chaque fois. Boum! Alors attends, je regarde la tenue. Putain, mais elle est balèze la tenue! Me laissez que quelques précieuses options. Oh, en plus, elle est sciée, regarde! Elle est sciée, ma tenue, j'aime bien.
Je suis paumé. T'es où? Ah, je suis là. C'est pas de l'autre côté qu'il faut aller? Non, c'est où qu'il faut aller? Merde, je suis tombé. Non. Si. Mais t'es mauvais. En fait, les machins qu'on a activés, fallait pas les activer tout de suite, je crois. Bah, c'est pour ça, je vais voir pour les réactiver. Bon. Je vais voir pour les réactiver et j'ai voulu couper et je suis tombé. Bah, va activer l'autre. Pourquoi? Ah, voilà. Je sais pas, je vais réessayer. Ouais, je vais vraiment pirater le truc. C'est bon, y'en a un qui est fait. Tournement de l'énergie. Terminé. Mise à jour de trucs de mousse. Ah, mais c'est vrai que. Merde. 20 droïdes énergétiques et 16,934. Bon, on l'a fait. On l'a fait? Non, il est en haut à gauche. En haut à gauche? Non, nous c'était ISS7. Ah bon? Oh, messieurs, dames. Grenade! Direct, en haut. Alors, après la carte, il est à gauche. Putain, elle est si bien tenue, j'aime bien. Super Saiyan 7, là. Là. Il a pas une tête de rigolo, tiens. En plus, il bouge. Oh là, il sort une grosse épée. Oh le con. Tiens, gel. Jamais tu ne me vaincras. Ah, ouais, ah. Il m'attaque. J'y peux rien. Mais fais quelque chose, gros le, t'as une compétence pour ça. Non. Enfin, c'est moi qui a fait ça. Il est en train de défoncer mon partenaire. Ouais. Ça, j'en ai pas besoin. Je prends le futal. Ouais, prends le futal. Je prends le futal. Il faisait mal, lui. Il a violé mon partenaire. Oh, le futal, c'est de la merde, fais chier. S'il te plaît, ça radie. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien, oui. L'armure plus 15, plus de moins 1, dans le Alors, si tu voulais bien venir m'aider. Non. Ah là, c'est toujours moi qui fais tout le boulot. Hein. Voilà. J'étais un peu en train de changer mes équipements. Hein. Si tu m'attends pas, c'est pas mon problème. Ah, j'ai pas mon petit droïde, c'est un shit. Viens, connard. Voilà. Je t'attends pas. Salaud. Après, te plains pas qu'on t'aggro. Hein. Oui, il court dans tous les sens. Là, il y a un truc. Il va exploser. Voilà. Et oui, t'apprends qu'il y a des gens devant nous. Pour cliquer sur le truc derrière les trois pecs. Bah tu tournes la caméra. Attendez que je m'avance, j'avais la peur. C'est à couvert et tout. Bah oui. Regarde ça, cette action. Médaille militaire. Attends, ton partenaire va se faire démonter. Mais non. Attends, faut qu'on soigne un petit peu pour le coup. J'ai hésité à me laisser se faire tuer. Comment on s'en charge? Regarde-moi ces 4 là-bas. C'est comme ça qu'on s'en charge. Voilà. Petit coup de pied dans les couilles. Oh, je suis déçu. Ouais, il a pas voulu faire. Moi aussi, je suis déçu. Il a pas voulu faire ce que je voulais faire. Monsieur Lame. Putain, mais il en sort vraiment de partout. Tiens, cross. Bon, c'est la facilité quand même. Et toi qui me croyais pas qu'on la ferait tout ça, ce que tous les deux. C'est vrai que c'est facile. On a pu galérer à chaque fois. Monsieur Eldar, il pensait qu'on n'y arriverait pas. Oh là là. Je pensais qu'on allait plus. Qu'à chaque combat, on allait. Par exemple, ça allait durer un peu plus longtemps. Et qu'il faudrait se régénérer, tu vois. Mais non. Et non, en fait, ça va se mettre.
Ah oui, là je crois qu'il faut se jeter dans le vide. Alors attends, il y a un truc à récupérer là. Et crédit. YOLO! Ah merde, fallait peut-être pas tout faire d'un coup en fait. Ah oui. Oh, oh, j'ai fait un seul tour. C'était un petit peu dur. Ouais, je veux que fais gaffe, il y a sûrement des trucs rampants dans le sol. Ah, mon mec, il a fait un seul tour. Bon, un peu comme dans le jeu, quoi. Salut toi le droïde, là tu pues. Je sais pas si il pue, mais il est mort. Bah quand on est mort, on pue forcément. Ah bon ? Bah oui, il y a des mouches qui tournent autour du cadavre et tout, tu vois. Ah bah ouais, c'est vrai qu'au moment où le mec il meurt, on dirait qu'il y a des mouches qui sont là. Quoi. Bah bien sûr, d'ailleurs la rigidité cadavérique ça se fait en 5 secondes. Hein. La quoi ? La rigidité cadavérique se fait en 5 secondes. Hein. Ah, la rigidité, oui, mais... la présence de mouches peut-être un peu moins. Hein. Non mais t'es conscient que la rigidité cadavérique ça met quelques heures quand même avant de se faire. Oui oui. Par contre la fraîcheur, j'ai envie de dire, la froideur et la couleur, ça change très rapidement. Ça. Oui, ça effectivement. Il y a une petite musique de Star Wars derrière. Attends, il y a des trucs là-bas peut-être. Ouais. Bah c'est plus rapide quand même. Ta-da-da. Ah non, je crois que c'est de là où on vient, non? C'est pas de là où on vient? Mais non, on vient de la droite. Oui, mais je veux dire de là où on vient au début. Si, bon, non, Si, on cherche à repartir, là. Oui, non, mais oui. Ouais, voilà. T'es con! Pour ça! J'ai complètement esquivé. C'est pas trop cherché à t'attendre, parce que ça aurait pas trop fait d'effet. Faut pirater du con, viens là. Et je l'ai déjà fait, putain, et je vous en passe. Ah, on va voir le site qui est à venir quand même. Ah, mon armure elle est stylée. J'aime bien. Coucou, c'est nous. Putain, ils sont coiffés comme des blaireaux les gens. Oh non, le gros méchant site. Ah. Oh, elle a une tête stylée quand même. Moi je trouve qu'il il se la pète un peu trop. Hein. Ah, c'est bien. Pourquoi les autres ils tirent pas aussi, ils sont cons. Ouais. Oh bah il est mort. Et d'ailleurs le sabre a bugué visuellement. Oui, un peu. Mais c'est quand même fait défoncer. Et voilà, tu pouvais pas faire ça dès le début. Ah ah, c'est nous les gentils. Bienvenue. De rien, merci. Kilran m'a promis un défi, et c'est tout ce que j'ai. L'autre qui a vu qu'il se barre en couille comme une merde. Ouais. Préparez-vous à mourir. De mourir est venu. Ah, oh, j'ai dit vous croyez que vous me faites peur. La mort ne viendra jamais pour moi. Je suis la mort. Ouais, bon, détruire un dangereux adversaire, telle est la mission d'un précis. Ah bon? Vous n'êtes rien. Vous êtes moins que rien. C'est ta sœur. J'en ai assez entendu. Mettons fin à cette ennuyeuse discussion. Vous avez raison. Les mots ne servent à rien si on n'agit pas. C'est qu'un puceau prépubère. Ouais, bah direct, mortier, moi je commence grenade. Allez, pof. Moi mortier. Hein. Petit coup de pied dans les couilles du site. Tiens, je te... Hop. Freeze. Tiens, coup de crosse dans ta tête. Ouah. Salaud. Eh, hey, il me balance son sable, ce bâtard. Ouais, il m'a fait trop mal. Oh, les éclairs dans ma gueule. Il m'a fait trop mal. L'heure de combat. Mon pote qui tank. Qu'est-ce qu'il y a, ton pote, il se fait enculer. Aïe. Ah ouais. Oh là, je me bouge le cul. J'ai plus de recharge énergétique. Je vais lui tirer un coup de mortier dans la tête, ça me fait bien. Regarde. Oh. Ouais, on l'a fait facilement quand même. Oui, il m'a fait mal, hein. J'ai plus de boulot. Les tritures de laser sont en train de charger. Dans quelques minutes, votre... Si c'est pour moi... ...et tous vos amis
Oui. Endurance astuce, c'est pour toi, ça. Et pourquoi t'as pris le fusil ? Parce que je sais pas. Ah bah mon pote il peut en équiper un fusil. Mais tu es léger, on s'en fout de ton pote. Ça t'apprendra à avoir toujours des trucs. Mais gros, allez, donne-moi le fusil. Bah je fais ça comment ? Troquer. Donne-moi le fusil. Ah, sympa, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Merci. Il était carrément mieux que moi, c'est pour ça. Sans foutre ton pote. Je sais même pas ce qu'il porte. Venez, embarquez à bord des navettes, vite! Avec un peu de vitesse, on devrait y arriver. Vous êtes prêts? Il faut qu'on parle. Allons-y. Oui, ambassadeur. Quoi? Haken a préparé l'hyperpropulseur. Venez. Je voulais tellement faire le côté obscur. Mais non. Mais arrête de vouloir faire ton méchant. Je suis sûr, elle l'aurait pas laissé. Si c'est un dragueur, il aurait voulu la sauver. Tu vois, tu choisis pas tes actions en fonction de ton personnage. Tu choisis juste en fonction de l'alignement. C'est vraiment pas RP du tout. Oui, mais c'est pour le gameplay là. J'en ai rien à foutre du RP. Y'a pas de RP dans le jeu. Ah, il est anti-RP. Cet homme n'est pas un roleplayer. Ah bah c'est sûr que non hein. Allez. Non. Tintin. Chapeau, je saute sur les objets. Et je saute pour prendre des raccourcis. Ton larbin il s'est arrêté. Genre en mode rien à carrer. Ah bah non, il s'est téléporté, d'accord. Ah non, moi il m'a suivi. Ça va nous guider en tout cas, on voit plein de missiles qui nous arrivent dessus. Et... Participer. Démarrer. Et on finit les CLS. Tout le monde est à bord, Flex. Sortez-nous de là, vite. Au revoir, messieurs. Trop de belles études de notre part. Nous sommes sauvés. Vous avez réussi là où tout le monde aurait échoué. Vous nous avez sauvés. Ouais, on est balèze. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez tous sauvés. Ah putain, il y a beaucoup de sauvés alors. Non, j'ai pas c'est vrai. De l'équipage du vaisseau de transport de la République et Céleste. Merci. Parlons récompense. Ça en a été sûr. Bien sûr. Les héros doivent être récompensés. J'ai fait une collecte à bord du vaisseau. J'espère que ces crédits vous permettront de sauver d'autres personnes dans le besoin. Comme vous nous avez sauvés. C'est gentil notre part. Je ne veux pas de récompense. Merci bien. Vous méritez bien plus. Ambassadeur Asara, quel soulagement de voir que vous nous avez rejoint saine et sauve. Quel soulagement d'être de retour, Haken. Je suis heureuse que tout cela soit enfin terminé. Enfin, nous sommes en sécurité. Il y a un vieux couple. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Les héros comme vous se font rares, et la République a besoin de tous ceux qui voudront bien l'aider. Je suis pas un héros. Pour ça que je me suis engagé. Et la République est chanceuse de vous avoir. Cependant, je dois vous prévenir, le grand Moff Killram n'oubliera jamais ce que nous avons fait. Il ne reculera devant rien pour se venger. Il peut toujours essayer. Il va être surpris. Restez sur vos gardes à présent. Killram peut être surprenant. Assez parlé de ça. Je pense qu'il est temps de se détendre un peu et de profiter du reste du voyage. Merci encore et bonne chance pour l'avenir. Ouais, on est trop balèze. Allez, ouais. On va sur Coruscant maintenant. Alors, nous disons donc. Allez, accéder au bazar. Les capteurs détectent. On est en route pour Coruscant. Oui, Coruscant. Coruscant bon. Allez, à Coruscant. Bah la flotte spatiale, on a plus rien à y faire. Oui, je sais. Pourquoi tu siffles? Ça fait pas beau aux oreilles. C'est un son dégueulasse. Mais Dieu, quelle horreur! Que fais-tu?
qui lui trouve les oreilles. Espèce de nazi. Non mais ça va pas te dire que je suis seul ça. Si si ça va. Non ça va pas. Tu devrais te châtier pour te pécher. Oh le feu purificateur. Bonne distinction. Affection et carré que j'en gagne 105, point de côté 250, 100. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci pour l'expérience. Bon, alors ce que je te propose, c'est que ça fait 30 minutes, donc on s'arrête là du coup. C'est parfait. Bon, attends, on s'arrête sur cette belle vue quand même. Ah, ah, ça fait du bien d'être en full graphisme. Oh, c'est beau. Enfin, moi personnellement, j'aime pas Coruscant visuellement, c'est un peu dégueulasse comme planète. Mais... Oui, mais c'est beau quand même, tu vois, c'est. Ah, il y en a qui a remporté un duel. Oui, je... pourquoi il nous dit ça? On n'en a rien à carrer, nous. Sur un magnifique feu d'artifice. Ah, bien entendu, un feu d'artifice. Ah. Ouais, on les voit. Nous terminons donc cette zone litigieuse ainsi que cet épisode 15. Et on se retrouve très, très prochainement pour de nouveaux épisodes, puisque maintenant, on va essayer de reprendre plus ou moins régulièrement. En effet. Continuer. Et nous irons sur l'histoire. Sur Magica aussi. Exactement. Voilà, voilà. Bisous à tous. Et salut à tous et à plus. Salut.